my turn to tell you what I think. Listen to what I'm singing. All of life, I'm gonna lie. Tout à l'est de la France, il existe une terre de hauts plateaux et de forêts majestueuses qu'on appelle les Hautes Combes. Un écrin de nature préservée au cœur du massif du Jura. Ici, les éléments règnent en maître et rythment le destin de ses habitants. Qui sont ces amoureux de la nature? Qui sont ceux qui ont choisi de vivre ici, dans ce bout du monde de neige et de glace? Pour le découvrir, j'emmène avec moi l'artiste Amir, une personnalité attachante qui a grandi entre Paris et Tel Aviv. En seulement 5 ans, il est devenu un des chanteurs incontournables de la scène française. Avec plus de 750 000 albums vendus et de nombreuses récompenses, Amir est plus habitué au rythme effréné de la ville qu'au silence des grands espaces. C'est parti pour un... Comment décrire la chose ? Donnez-moi un peu d'informations. J'ai une grosse impatience que j'aime pas qu'on me cache des choses. Je veux juste savoir ce que c'est. Et après, dès que je sais, je suis tranquille. Bon, je finis mon poste, hein, j'y suis presque. Amir, on m'a remis ça pour vous. Merci. Salut Amir, je t'attends un peu plus haut en direction du lieu dit Borneval. Suis ma trace, à très vite Raphaël. Suis ma trace, c'est un peu vague comme indication. Là. Amir, je pense que vous allez avoir besoin de ça. Oh mon Dieu, c'est juste censé déchiffrer le truc. Je sais même pas comment les mettre. Ça, ça va le tour. Le tour du pied. Merci. C'est parti pour le remake des bronzés font du ski. Amir ! Ouais ? Je suis là ! Allez ! Ça va bien ? Alors comment tu vas ? Tout va bien. Ouais. Comment c'était cette petite balade, cette petite balade du matin là ? Ça réveille. Ça réveille ? Ouais, ça fait du bien. Là on est vraiment dans ce qu'on appelle les Hautes Combes. D'accord. Dans le sud du massif jurassien. Mmh. Et contrairement aux Alpes, là on est vraiment dans un territoire beaucoup plus vallonné avec des plateaux et avec des montagnes entre 900 et 1200 mètres. Mmh. Enfin, c'est pas très, pas très haut, ouais. Ouais. Mais avec énormément de forêts. C'est ce que je vois, ouais. Ici, dans la région, on a une densité, une des plus faibles de France. Logique, ça se voit d'ailleurs. Alors, les gens qui ont décidé de vivre ici, c'est un vrai choix. Tout est conditionné ici par cet environnement que tu vois autour. Ça me fascine. Et les gens qui vont nous recevoir, on va pouvoir les rencontrer. Ils acceptent qu'on rentre dans leur intimité d'une certaine manière. Et ça, c'est un vrai beau cadeau. Je suis très, très impatient de voir quelle est la rencontre humaine qu'on va faire. Tu verras. Allez. Vraiment, j'en peux plus d'impatience. Tu connais la règle ? Ah ouais, c'est tout de suite. Je jette un dernier coup d'œil. Je vois s'il y a quelque chose de grave. Non, tout va bien. Je vais l'éteindre, en effet. C'est difficile ? Pour moi, ouais. J'ai de la lumière bleue sur le visage beaucoup plus que le soleil. C'est grave, hein. Je suis pas à l'abri d'un petit raquettage de nuit, tu vois. Je vais faire attention. Faut pas trop qu'on traîne. On a un peu de marche. D'accord. Et ça serait bien d'arriver avant la tombée de la nuit. Ouais, une pause déj, rassure-moi. Ouais. Parce que je suis hyper actif, mais gourmand aussi. Toi, t'es quel type de voyageur ? Tu me verras jamais faire réserver une randonnée avec des raquettes à la montagne. Pourquoi ? Tu veux, pour moi, il y a une vraie notion en vacances de non-souffrance. Ouais. Il faut respecter. Contrairement aux rafales de vent actuellement. Par exemple. Mais comme on n'est pas en vacances... Et le froid, ça te dérange pas ? Quoi ? Le froid. Non, ça me dérange pas. C'est des paysans, j'aime bien. Et le grand froid ?
Là, ça commence à me déranger un peu. C'est-à-dire que là, si le vent souffle et que ça se refroidit, ici, c'est la Laponie. C'est sympa de me prévenir. Alors, qu'est-ce que je pourrais te promettre pour te motiver ? Non, je suis motivé, mais je supporte pas perdre le contrôle d'une situation. Ah oui ? J'aime pas. Moi, j'aime bien être celui qui dit à tout le monde où il faut aller, qui organise les horaires. On me suit, tu vois, depuis que je suis gosse, hein. T'aimes bien contrôler la situation ? Je sais pas si c'est contrôler, mais maîtriser. Ah ouais. À savoir, savoir. Et là, quelle est la mission ? Ouais. Où est-ce qu'on va ? Pour notre première nuit, c'est une surprise qui attend Amir. Dormir en plein cœur de cette forêt jurassienne. Une expérience unique pour une autre perception du temps qui passe. L'endroit idéal pour une déconnexion en pleine nature. C'est quoi ici ? Une situation qui va s'avérer quelque peu déstabilisante pour Amir. T'as déjà dormi dans une cabane ? Non. Au milieu de la forêt ? Non. Dans le Jura ? Non. Pas ouvert, moi. Si t'as une idée de comment on fait ? Ça va ? Peut-être la porte, elle se lève un peu. Waouh ! Pas mal ! Grave. T'as fait un peu cabane de trappeur au milieu de la forêt. C'est gueudin. Ça te plaît ? Mais vraiment, vraiment, c'est super beau. Ça, c'est mes pantoufles. Pantoufles, mocassins. Attention. C'est la deuxième fois. J'ai vu. Tu cuisines un peu ou pas ? Pas du tout. Alors, on va prendre quoi ? Carottes, poireaux. Allez, check. Moi, c'est un peu un rêve d'enfant. Tu sais, tu rêves de dormir dans une cabane perchée au milieu de la forêt, ou en tout cas, pas loin. Toi, t'étais comment quand t'étais enfant ? J'ai vécu beaucoup de petites périodes différentes. Déjà parce qu'on a déménagé, on a changé de pays quand j'avais 8 ans. Donc je pense que l'enfant que j'étais à Paris, à Sarcelles, c'est pas le même enfant que j'étais là-bas, Tel Aviv. Et puis quel type d'enfant j'étais ? Turbulent, hyperactif, très sensible aux autres. Mais il fait un peu pleurer le poireau, c'est normal. Ouais, c'est normal. Les carottes du Jura. Une cabane, une forêt, une petite soupe. Hop, voilà. C'est qu'il a l'air très appétissant, hein, ce potage. Ouais, il va falloir prendre des forces pour demain, quand même. Vas-y, continue à m'angoisser. Parce que demain, on a 8 heures de raquette. Demain, le soir, on dort dans une tente. Troisième soir, c'est l'igloo. Et tu me gâtes. C'est très bon ce potage. Hein. Il est pas bon. T'es fort. Hein. On t'a tout fini. Moi je mange vite, mon pote. Hein. Je sens qu'on va bien dormir. Mais il est tôt, non, quand même. Je sais même pas quelle heure il est. Franchement, j'en sais rien. Est-ce qu'il n'y aurait pas un jeu de société ? Faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. On peut faire du ski de flambeau. Ça peut nous occuper 2-3 heures. Tu veux un thé ? Mec, j'admire ta sérénité. Je sais pas ne rien faire. Je sais pas. Je sens le tapotement de chaque seconde sur ma tête. Je veux pas. Ah oui ? Ouais, c'est pas possible. Je peux pas
observer le temps passer. Oui, il faut que je bouge. Non, bah, mon seul refuge, c'est le dodo. Ok. Allez, j'arrive. Allez. Allez, bonne nuit et bonne lecture, Amir. Bonne nuit, Raphaël. Merci. Hein. Ouais, à demain. Amir. Un café? Ah bah volontiers, ouais, je veux bien. Merci, c'est top. Assieds-toi. Toi, alors, t'es originaire d'où? Paris. Paris? Ouais. Alors, bienvenue. Merci. Tu vis ici, toi? Ouais. Ça s'entend, d'ailleurs. Ah ouais, il paraît. Ouais, ouais, j'ai grandi par là, moi. Je suis amoureux d'ici, moi, je suis ancré. J'ai mes racines, ici. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un doux rêveur, je suis passionné de nature. Du coup, je fais beaucoup d'observations des oiseaux, des mammifères, des reptiles, etc. Donc, je suis naturaliste. Tu as quel âge? Bon, attends, faut que je fasse le calcul. 36, 7, bientôt. Vous avez le même âge, toi? Ah, bah voilà, nickel, on est conscrits. T'as des enfants? J'ai une petite fille, ouais. J'ai une petite fille qui a 4 ans et demi. T'as des enfants, toi? Ouais, un garçon de 2 ans. Ok. Qui me manque affreusement. Ah ouais? Ça fait 24 heures. T'as pas pu le mettre dans ta poche. Amir adore savoir où on va, ce qu'on va faire, quel est l'objectif concret. De la mission. De la mission. Et là, il sait rien. Ça va pas bien te rassurer, mais même moi, je sais pas trop ce qui va se passer. On va partir un petit coup en forêt, se balader, et puis je te garde le mystère pour la suite. Allez, bah, suivez-moi, on y va. J'avais oublié la sensation. Il y a une bête qui est passée. Où? Là? Si? Quoi comme bête d'après toi? T'as deux pattes ici, ouais. T'as deux pattes là, ça c'est les pattes arrière, ça c'est les pattes avant. Ok. Il pose ses pattes arrière, après il ramène ses pattes avant par devant et il prend de l'élan. Mon Dieu. Un écureuil, je sais pas. Un lapin. Un lapin, ouais. On n'a pas de lapin ici, mais c'est un le lièvre. Lièvre. Ouais. Il y a des ours? Non, il y a les loups qui sont en train de revenir. T'as des lynx ici aussi? Ouais, c'est le coin du lynx. Ok. On va dire, on a une des plus belles populations d'Europe de l'Ouest de lynx. Lui, il est du genre à se planquer, à être caché derrière les arbres, assis, puis à te regarder passer. Ah ouais. Tu vois. C'est-à-dire que là, on peut, enfin, j'en sais rien, il faut avoir beaucoup de chance, mais on peut voir un lynx, potentiellement. Ouais, vous avez fait un vœu, cette nuit, si vous avez vu des étoiles filantes, peut-être. Ouais, on peut, mais il y a très peu de chance, quoi. Le lynx, on le voit pas. Si on le voit une fois dans l'année, on est super content. C'est un animal qui est hyper discret. On les entend? Donc on peut les entendre, le mâle et la femelle s'appellent. Ouais. C'est un cri assez particulier, je vais pas te le faire. Vas-y, fais-le, ça fait quoi? Non, oh non, faut des boules de caisse. Bah vas-y, vas-y. Non, c'est entre un aboiement et un miaulement un peu. Waouh! 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 Tu peux l'entendre toute l'année, mais surtout pendant la période de rut. Waouh! Oh, ça va bien se passer aujourd'hui. Je vous présente ton petit coin de paradis. En ouais, fait. C'est ça. Voilà, il y a un lièvre qui est repassé là, là. C'est passionnant de savoir que tu es dans un secteur où on a tendance à se croire un peu tout seul. Souvent, moi, je discute avec des gens qui me disent, oh bah, je me suis baladé là, j'ai traversé la forêt, mais j'ai rien vu.
Alors les animaux, on les voit pas, mais ils sont là, toi, ils se planquent. Et tout est super organisé, eux, ils savent quel territoire ils ont, ils savent que s'il y en a un qui passe là, ça va être la bagarre. Le renard, il va aller crotter là-bas, 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 pour dire ici, c'est chez moi. Tout ça, c'est hyper bien organisé. Puis nous, on voit rien, tu vois. Mm-hmm. Nous, on se promène et on capte pas tout ça. Ouais. Et on peut réussir à voir toutes ces bestioles, à les entendre, bah, en guettant les traces, en se posant, en écoutant, en observant. Faut prendre le temps, arrêter d'avancer, se poser, un petit peu disparaître. Et puis tu peux commencer à faire des observations, tu vois. On va essayer de faire ça ce matin. Avec plaisir. Donc aujourd'hui aussi, il faut armer de patience. Hein, voilà, hein, de patience, la vie. Leçon numéro 2. Tiens, encore un lièvre. Voilà, c'est ça. En fait, il y en a beaucoup plus. Hier, on était aveugle à ça, Raphaël. Ah. Ouais, on a... Il y a vraiment des traces d'animaux partout. On n'a pas été attentifs aux mêmes choses. Ouais. C'est un coin qui me tient à cœur, là, que je trouve ça un petit écrin sympathique. Regarde, c'est sympa, là. Eh oui. On est arrivé. Où ça? À l'endroit où on va s'installer un petit moment. Allez. En fait, mon métier, c'est photographe naturaliste. Alors, pour faire des photos, souvent, je suis caché sous une tente. Un filet de camouflage, tu vois. Je tends un filet, je me planque derrière, puis j'attends. 2 heures, 3 heures, ça peut être 2 jours. T'observes et tu te fais vraiment... Tout cet environnement-là, il te pénètre, en fait, tu vois, quelque part. Tu verras, c'est une sorte de méditation, un peu, quelque part, qui fait du bien. Ben, tu verras si ça t'a fait du bien ou si ça t'a rendu un peu nerveux. Aujourd'hui, j'ai pas de filet de camouflage parce que le petit animal qu'on cherche, il est pas très gros, il est gros comme ça. C'est quoi ? C'est un petit oiseau qui s'appelle le tichodrome. Le quoi ? Le tichodrome, l'oiseau papillon. Je te montrerai des photos. Il est gris, il a un long bec arqué, il a des ailes rouges écarlates. C'est un petit oiseau qui est magnifique. Je te souhaite de le voir, j'espère qu'on le verra. On va s'installer ici. Premier affût. Peut-être qu'on l'attend là et qu'il est sur une falaise derrière. T'as pas un cri, un sifflet spécial? Non, j'y tiens fort. Pas d'appâtage, pas de mise en scène, pas de décor que j'ajoute. J'ai du mal à enlever une branche qui passe devant moi pour faire un affût. Moi, j'ai envie de venir repartir. Il n'y a rien qu'à changer, tu vois. Ta philosophie? Quand t'es à l'affût, c'est d'avoir le moins d'impact possible sur la nature que t'observes. Ouais. J'ai envie d'être témoin des choses qui se passent et pas de les provoquer, tu vois. Ça demande beaucoup plus de patience et de respect. Enfin, ça demande c'est beaucoup noble, plus comme de temps. Façon de faire, je trouve. Ouais. C'est pour ça que je suis naturaliste avant d'être photographe. Ouais. Et que ça me tient vraiment, vraiment beaucoup à cœur d'avancer ça puis de rester dans cette ligne-là, puis j'ai pas envie de changer. Donc tu passes une grande partie de ta vie en solo, alors? Ouais. Les affûts, c'est... Enfin, ouais. J'ai une vie sociale assez intense. Ouais. J'aime bien voir du monde, j'aime bien déconner, j'aime bien faire la fête. Mais une fois tout pris, mes moments où je suis tout seul, il faut que ça s'équilibre. Ouais. Tu passes combien d'heures à l'affût par, je sais pas, par semaine, par mois, par an? 1200 heures sur l'année. Ça fait 25 heures par semaine. Parce que ce que je remarque, c'est qu'on est... On a commencé l'affût il y a 30 minutes, on n'a pas eu une minute de silence. Ouais, c'est vrai. Je suis bavard aussi, hein. Tu vois pourquoi je fais les affûts tout seul. Des heures. J'ai fait 300 heures. Ouais, à peu près.
On est à fond. Oh putain, c'est lui. C'est le Tico Drone. Regarde, 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 regarde. Tac. T'as vu comme il vole? On fait pas de bruit, on bouge pas. Ah, il est passé au-dessus. Même un jour de pluie, on peut avoir du bol. Tu vois, c'est des petits plaisirs simples qui sont à portée de tous. Tout le monde peut le voir. Faut prendre le temps. Si tu prends le temps, tu voyages. Tu sais que des fois, j'y vais à la vue, des fois, faut se motiver. Hein. Non, mais tomber amoureux du Ticodrome. Non, mais là, je croyais pas, j'ai trop froid, attends. On va aller se mettre au chaud. Voilà où on habite. C'est le bâtiment de la mairie, c'est l'ancienne école. Voilà, bienvenue. Merci. Bonjour. 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 Félicitations. Bien. Merci. Tu nous avais rien dit. Ouais. Félicitations. Merci. C'est pas du 3-6 mois, là. C'est pour bientôt. C'est du 9 mois, ouais. 9 mois dans 5 jours, quoi. Ouais. Toi, tu fais de l'affût pendant des heures, mais ça peut arriver d'une minute à l'autre. Bien sûr. Mais t'as pas de portable. Pendant les 10 derniers jours de grossesse, elle peut me joindre. Sinon, j'ai pas de portable. C'est seulement. Non, mais on se connecte. Ouais, ah ouais. Ouais. Tu sais si c'est un garçon ou une fille ou pas? Une petite sœur qui arrive d'un moment à l'autre. Donc, dans cette semaine. Bien. Ouais. Attends, mais Julien, t'as fait un livre. Oui, voilà, regarde. Pour te dire, mais il là, est en couverture derrière du bouquin, le petit oiseau qu'on a vu ce matin. Wow. C'est que des photos du coin, c'est beaucoup des photos des Hautes-Combes. 80% des photos, là, c'est pris dans un rayon de 30 km. C'est le lynx, ça. Ouh. C'est lui. Wow. Beaucoup de renards, c'est un pays de renards, le Jura. Crépuscule. S'allongent les ombres et puis se fondent dans la pénombre vagabonde. Lorsque s'éteignent les yeux amis, et que me baignent les champs de nuit. C'est toi qui l'as écrit? Oui. Oui, j'aime bien écrire. C'est plus un bouquin sur les ressentis qu'on peut avoir dans la nature, tu vois, pour inviter à observer, à prendre le temps. C'est toujours la même chose. Plutôt que descriptif et purement naturaliste. C'est pas du tout technique. Super beau, tes photos. Merci. Vous êtes rencontrés comment? À la fête au village. À la fête au village, pas très loin de la buvette. Voilà. Ouais. On s'est vus, je partais, je sais pas, 2 semaines après. Ouais. En Laponie, tout seul. Je lui dis, tiens, si ça te dit, je vais en Laponie, tu viens avec moi. Elle me dit, bah ok. Je lui dis, par contre, je fais des photos. Il hein. Faudra. Moi, je vais à mon rythme, quoi. Et puis voilà. Mais c'est là-bas vraiment que j'ai découvert, en fait. Mm. Je me souviens qu'il y avait une aurore boréale et que. Et il a bloqué pendant des heures pour avoir la bonne mise au point et tout. Puis moi, au bout d'un moment, je me disais, mais c'est bon. Bah, regarde. Et là, je me suis vraiment rendu compte que c'était important, quoi, cette passion. Quand on parle, c'est vrai qu'on sent à quel point c'est. Enfin, on sent une énergie, on sent que ça rayonne, on sent que ça. C'est là où tu puisses. C'est une sacrée raison d'être, ouais. Ouais. Et quelle heure il est? Quelqu'un à l'heure? Ah, c'est la petite à l'école, dans 5 minutes. Nous, on va devoir aussi y aller, parce qu'on a rendez-vous. Vous avez rendez-vous? On va chez Pitou ce soir. Vous connaissez Pitou? Ouais, on le voit assez régulièrement, ça fait partie de la bande de gens motivés qu'on rencontre par autour. Tu vois, il est tout Pitou, Pitou. Eh ben, je peux juste te dire merci. Ben, avec plaisir. Pour cette journée, pour l'initiation à plein de choses. Surtout, tu m'as sensibilisé à ton combat. C'est un combat pacifique, mais on voit, il y a beaucoup d'amour et de passion dans ce que tu fais. Et il y a quelque chose dans la tranquillité avec laquelle tu abordes la vie que je trouve contagieux. Tu vois, je suis beaucoup plus zen que ce matin grâce à toi. Ça m'émeut. Toi, tu vas venir habiter par là, toi. Ouais. Laisse-moi encore quelques jours pour y réfléchir. Combien de jours t'ai-je attendu au pied des rocs que tu visites, au sommet des éperons nus pour un souffle de réussite? Là, tu vas le vivre, le truc, hein, parce qu'on l'a quand même.
Oiseau prince des verticales, falaises claires ou anthracites, épique visiteur hivernal, fantasme caché d'Aphrodite. Non mais ça, il faut l'écrire pour ta femme un jour aussi. Tu papillonnes vaporeux de tes ailes noires et écarlates, en escaladeur prodigieux, léger comme douce cantate. Vif, énigmatique, aviateur, virtuose de l'élégance, je n'envisage plus les hauteurs sans un soupçon de ta présence. C'est calme, puis tu sens la fin du jour, t'es d'accord? Ouais. Tu sais que la soirée va tranquillement s'installer. Ouais, je suis reposé, là. Je me sens reposé. Ça se voit? Ah, c'est vrai, ça se voit. Bon, il est où, Pitou? Raquette trip dans le Jura. Pitou! Pitou! Pitou, t'es là? Enchanté. Salut. Bonsoir. Ça va bien? Salut. Raphaël. Salut Pitou. Salut Raphaël. Ça va? Ouais. Eh bien, bienvenue. Hein. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour. Alors, enchanté, vous êtes? Annie. Amir, Raphaël. Ok. Enchanté. Tout va bien Pitou, Annie? Ouais, ça va, et vous? Nickel. Hein. Très bien, merci de nous recevoir chez vous déjà. Mais... Vous êtes pas trop mouillé? Non, ça va. Ça va. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qui êtes-vous? Là, c'était dans un refuge de montagne, quoi, tu vois. Donc, il y a une partie dans la grande maison, là, où on peut accueillir 15 personnes. Et puis, on a le petit refuge à côté. C'est un petit bâtiment où il y a 11 places en dortoir. C'est là où vous allez l'endormir, voilà. Donc, moi, c'est mon activité. Alors, ici, ça va être notre QG un peu pour cette semaine. C'est là où on va dormir. Toute la semaine, et ça va devenir un peu notre deuxième chez nous. Ouais. Vous êtes ici depuis combien de temps, vous? 95. Et avant ça, vous étiez du Jura ou? Moi, je suis jurassienne. Ben, moi, je suis né en Normandie. Ma maman est bretonne, mon papa est normand, et j'ai grandi à côté de Fontainebleau, toi. Et comme j'étais nulle part, quoi, je me suis dit pourquoi pas être jurassien, quoi, toi. Tu veux allumer le... Ouais, moi, je suis à la recherche des flammes. Allumer le feu, ouais. Bah alors, mais tu te trompes de chanteur, là, Pitou. Ah ouais, mais non, mais... C'est un clin d'œil. Il y a du miel, là, si vous voulez. Vous avez des enfants? Ouais, deux enfants. Et toi, tu chantes depuis quand? Depuis toujours? Moi, je chante depuis que je suis tout petit. Mais ça a commencé à prendre il y a environ 4 ou 5 ans. C'était un long chemin. J'ai changé de... Toi, t'as changé de région. Moi, j'ai carrément changé de... Et de métier. D'ailleurs, ça nous fait un point commun. J'ai changé de pays, j'ai changé de métier, moi aussi. Mm-hmm. J'étais dentiste à Tel Aviv. Ah, dentiste? Okay. Ouais. Et je me suis reconverti dans la chanson en France, qui est mon pays natal. Et ta famille, elle est à Tel Aviv? J'ai une partie de ma famille. En fait, ma mère est de là-bas et mon père est de France. Donc. OK. Mes frères et sœurs et moi, on est totalement biculturels. Tu chantes en français? En français, je chante qu'en français. En français? En hébreu, je suis dentiste. Mais sinon, il t'arrive d'avoir des gens qui toquent. Tu t'y attendais pas, il n'y a pas de réservation, ils te demandent s'ils peuvent dormir ici. Ouais. Oui, ça arrive. Ouais. S'il y a, par exemple, une tempête, c'est la tradition du refuge. Ça fait partie, oui. C'est obligé, quoi. On est heureux quand même si on n'a pas réservé, de trouver juste un abri, quoi. Oui, ça, ouais. C'est normal. Ouais. L'autre particularité des refuges, c'est aussi, comme son nom l'indique, le refuge même pour des gens qui font pas forcément du tourisme, qui viennent se réfugier. Ça fait partie aussi de cet état d'esprit. Quand tu dis se réfugier, c'est-à-dire des gens qui viennent se réfugier, tu parles de... Tu veux dire quoi? De réfugiés. Ouais, de réfugiés. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas de maison, parce qu'ils sont... ils fuient quelque chose. Voilà, ouais. Je ne veux pas savoir qu'est-ce que tu fuis, ni rien, ni pourquoi tu fuis, pourquoi tu es là, pourquoi... Après, on n'est pas obligé, mais...
Voilà, ça fait partie de notre sensibilité, du moins. Et puis. C'est le nom partager, refuge, c'est ouvert à tous. Voilà, ouais. D'où qu'on vienne. Ouais, ouais. Séance crêpe ? Allez, go. Non, mais t'as une certaine habitude, hein. Même pas besoin de rouleau à pâtisserie Raphaël. Je te laisserai poser la question à Annie. Annie ? Ouais ? Tu veux bien me raconter l'histoire avec la crêpe ? En fait, quand j'ai rencontré Pitou dans son premier gîte, et que j'avais un peu eu le béguin pour Pitou, on va dire. Ah, c'est toi qui as craqué pour lui en premier ? Un peu, ouais. Il était en train de faire des crêpes. Et je suis allée lui dire au revoir parce que je partais du gîte. Je m'étais arrêtée en ski, quoi. Et puis, au moment de lui faire la bise, il était en train de faire des crêpes. Il me dit, attends que je finisse ma crêpe, parce que sinon, je vais la rater. Et il me dit, pas la crêpe, la bise. Oh ah, elle est rigolote, hein, comme histoire. Alors, pas rigolote, coup, là, je suis en train d'apprendre, tu vois. C'est mon tour. Vas-y, à toi. C'est la première crêpe de ma vie. Il y arrive. Tu mets tout ou pas ? Oui, oui, mets tout, ouais. Comme ça, ce sera... Ça va fondre... Mmh. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais. Alors, elle est cuite, cette tarte ? Annie, je te sers un peu de salade ? Bah ouais. Elle est hyper bon. Merci. Voilà. Potée au chou. C'est des repas qui tiennent bien, ça. On sent qu'on a fait de la marche dans la journée et qu'on repart pour faire de la marche. On a eu les hivers où 6 mois, on ne pouvait pas venir en voiture. C'est à peu près ça. On était coupés de la route. C'est-à-dire qu'en début d'hiver, il fallait faire le plein de, je sais pas, de pâtes, de riz, de farine. Au niveau des courses, il ne faut pas se louper. Au maximum de courses, oui. Pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Bah, pour tout l'hiver. Pour tout l'hiver. Ben, disons que c'est compliqué après de ramener des courses dans le sac à dos, surtout quand les enfants sont petits, où il faut déjà les porter sur le dos ou les traîner dans la luge. Non, on ne se rend pas compte. Ouais. Bon, après, c'est un peu le quotidien de beaucoup de gens du coin. Hein. C'est quoi la philosophie de ton refuge, s'il y avait une philosophie ? C'est déjà le pouvoir accueillir tout le monde, quoi. Bon, puis la période où je ramenais des clochards, des en stop qui vont en Suisse, qui sont en bottes en plastique sans chaussettes dedans, il fait moins 15, il neige. Mec, tu t'arrêtes, tu prends, et puis tu dis, moi, viens à la maison, quoi. Je vais t'héberger cette nuit, je vais te nourrir, je vais te loger et tout, je vais te retrouver des fringues. Après, il y a des bons et des mauvais souvenirs, hein, mais il faut simplement oublier les mauvais. Hein. Ouais. C'est tout. Hein. Puis il y a un truc qui dit, si t'es généreux, donne. Attends jamais que ce soit la personne à qui t'as donné qui doit te rendre. Ouais. Mais ça revient. Quand tu donnes, c'est un boomerang. T'envoies, et tu te le reprends derrière, là, multiplié par 10. T'sais. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir des invités ce soir. Exactement. Bah oui, bah oui, c'est très bien. J'aime bien. On est super bien accueillis. Merci Pitou. Bon, allez, go. Allez. Allez, on va. C'est parti, je vous fais voir le petit refuge. Tu vas nous faire voir notre suite. Ouais, bah c'est tout à fait ça en plus. Hop, attention, ça glisse. Faites gaffe, hop là. Mais c'est cool tout ça. Bienvenue dans le refuge du four à pain des Adrets. Hé, il y a une flamme ici aussi. Là, c'est le dortoir. Ouais. Génial. Oh, bah, on va être bien. Eh, c'est super. Pitou. Pitou, ça nous ouais, plaît. Ça vous va ? Ah, ouais. Ça nous plaît. Il y a un appartement privé. Ouais. Ah, bah, il y a un côté cocooning. Hein. Ah, ouais, carrément. Attention. Attention. C'est quoi la surprise du jour, Raph ? Tu vas voir. Fais gaffe. Ouh ! T'as vu cette lumière ? Regarde comme c'est beau. Ça fait du bien de voir un peu d'horizon. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une jeune femme au destin singulier. Mélodie
mène une existence à contre-courant, qu'elle souhaite au plus près de l'essentiel. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mélodie. Bonjour Raphaël, du coup. On peut se rendre avec les gants. Salut Amir, enchanté. Bonjour Amir. Ok, enchanté. Ça va? Mélodie. Mélodie? Oui. C'est un prénom qui me parle, ça. Tu connais un petit peu les chevaux? Vaguement, je t'avoue. Vaguement. Il y a quand même de très belles bêtes derrière. Ça te plaît? Totalement. Bon, bah tant mieux. On va aller essayer de rentrer un peu dans leur monde, puis de voir qu'est-ce que vous pouvez créer comme lien avec... Voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi. Allons-y. Ok? Bon, déjà, faut qu'on finisse de les nourrir. Ok. Voilà, bien tassé. Ah, c'est bien. Hop là. Est-ce qu'on va en remettre? C'est beau. Faire un talas. Un peu ailleurs. Oh, c'est bon. Disperse tout ici ou faut aller encore ailleurs? On va mettre des tas un petit peu partout, sinon ils se chassent. Tu les élèves ces chevaux? C'est pas le but du jeu vraiment, l'élevage. C'est plutôt de donner la possibilité aux gens de découvrir le cheval un petit peu différemment, tu vois, de ce qu'on peut avoir habituellement. On fait des balades et des rondos avec cette approche-là. Créer du lien, le comprendre, et puis en fonction de ce qui se passe, on part. Ou pas. Toi, tu fais ça par pure passion ou c'est un truc duquel tu peux vivre aussi? C'est d'abord de la passion. En fait, j'ai quitté le monde du cheval parce qu'il fallait en vivre, justement. Ça m'allait pas du tout de devoir arriver à gagner de l'argent d'un cheval, quoi. De l'utiliser, tu vois. Et puis, en fait, la vie m'a ramenée vraiment dans les chevaux. J'ai toujours eu des chevaux, j'ai toujours mes chevaux, mais pour le plaisir d'être avec eux. Et puis là, bah, c'est le moment, il faut que j'arrive à créer les choses comme moi j'ai envie, sans qu'il y ait la pression financière. Voilà. Alors, on va bâcher tout ça. C'est quand même assez physique quand t'es seul de temps en temps avec les conditions météo. Ouais, c'est bien, c'est là que tu te rends compte que la nature, elle est là, qu'elle est forte. Puis que toi, t'es tout petit. Il y a eu 2-3 matins où j'ai un peu pesté parce que je me cassais la gueule avec mes raquettes. J'étais là avec mon foin, mes raquettes qui se dévisaient derrière. Enfin bref. Puis juste derrière, il y avait un grand rayon de soleil. C'était magnifique. Je suis là, bon, ça vaut le coup. Ouais, ça vaut vraiment le coup. J'ai super envie de les rencontrer. On va aller les voir. Midou. C'est très important de vous écouter, vous. Je vais tenter une approche. Voilà, super. Donc là, tu vois, il te questionne, en fait. Il regarde si quelque part. Mélodie, il attaquera pas, hein, on est d'accord? Non. Mais c'est bien parce que là, il est complètement focalisé sur toi. Hein. C'est un cheval qui n'est pas hyper câlin habituellement, tu vois. Ça lui plaît? Ouais. Sinon, il s'en irait. Hein. On sent qu'il se passe quelque chose. Ouais. Donc en fait, là, pendant qu'on est là et qu'on parle, eux, ils captent tout. Il faut vraiment savoir que le cheval, vu que c'est une proie, il a une sensibilité énorme. Il scanne tout en permanence, quoi. C'est des cordes de violon, quoi. C'est... Ah oui. Ouais. Donc ça veut dire que ça peut sentir tes humeurs, ton état d'esprit, la manière dont tu es à l'instant T. Tout à fait. C'est des vrais miroirs. Ce miroir, je l'utilise en médiation aussi. Qu'est-ce que t'appelles faire de la médiation avec eux? C'est des séances que je propose d'un point de vue plutôt thérapeutique, là, pour le coup. Le cheval va toujours refléter l'état émotionnel de la personne. Et donc, on ne peut pas tricher. Voilà, la personne, quelque part, est un petit peu mise à nu. Par le cheval. Par le cheval. J'avais une jument... Qui faisait ça, c'est-à-dire qu'elle venait coller son nez là, elle bougeait plus, quoi. Et là, il se passait un truc.
Moi, je faisais rien. La personne soit se détendait, soit pleurait un coup, soit pouf, se mettait à parler. Enfin bon, là, ça devient un peu... Je sais pas trop ce qui se passe, quoi. Comment tu te sens avec elle, là ? Bien. Elle est bien avec toi. Mais elle n'a plus envie d'avancer. Elle appelle Motus. Du coup, ouais, je te propose qu'on monte. J'aimerais bien. 1, 2, 3, et hop là. Super. Bon, je sens sa chaleur, sa respiration, ses battements de cœur. Ok. C'est agréable. T'arrives à sentir tout ça ? J'ai l'impression, là, dans les cuisses, ça bouge en tout cas. Ok. T'as vu, son pote vient surveiller quand même. Oui, oui. Ah bah, il est là. Hein. Vu qu'elle est un peu inquiète, tu vois, avec le vent, de quitter les autres, c'est à toi de la rassurer. Juste dans ton état d'être, sans qu'à l'intérieur t'es hyper serein, hyper tranquille et que t'es baigné d'amour pour elle. C'est souvent par l'amour que ça passe en fait. C'est ce qu'on va essayer, tu vas faire la même mais en fermant les yeux. Et comme ça tu vas sentir chaque mouvement. Faut que t'arrives à rentrer finalement un petit peu dans son corps. On y va. Arrive. Comment tu t'es senti en fermant les yeux? Super. Bon, c'est chouette. Ouais. Lâcher prise. Ouais, on cool. En parle beaucoup du lâcher prise. Alors, je crois qu'on est un peu dedans, là. Juste pour comprendre ton parcours, du Jura, t'es parti et t'es revenu? Ouais. On avait un boulot tous les deux très prenant, on n'avait jamais le temps, c'était la course tout le temps, on ne se posait pas. Et à chaque fois qu'on revenait dans le Jura, pouf, t'as l'impression que la montre ralentit réellement, c'était assez étonnant. Et donc à un moment, tu t'es dit, il faut vraiment qu'on retourne, il faut qu'on ait un projet ici. Oui, c'est ça. Ça faisait longtemps qu'on attendait, c'est pas si simple de changer de vie, parce que là, ça a été vraiment un changement de vie quand même. J'étais comptable pour manger. Et après, j'ai fait ma formation de naturopathe. Et j'exerce 2 jours par semaine. Et le reste du temps, je suis là avec les chevaux, quoi. Et tu peux pas, par exemple, te permettre d'aller en vacances, n'est-ce pas? Regarde, je suis en vacances tout le temps, en fait. Ouais. Non, je crois qu'il n'y a pas aucun besoin d'évasion. Je l'ai tous les jours, moi, mon évasion. En tout cas, depuis qu'on est là, je me suis jamais sentie aussi heureuse. Enfin, il y a vraiment un équilibre qui s'est mis en place d'office. Et ça se matérialise comment? Cet état d'esprit. Une forme de sérénité, une forme de... Je sais que je suis au bon endroit, je sais que je suis dans ma vraie vie, je sais que je suis bien comme ça, je profite de chaque chose. Voilà, je sais pas, une forme d'évidence que j'avais moins avant, ouais. Je vous emmène chez moi, du coup ? Ok. Allez, on y va. C'est mon cheval de fer. Allez, on va s'installer. On a 4 km à faire. T'es perché là-haut, toi? Ouais, on peut tomber sur la piste de ski là-haut. C'est courageux quand même d'aller vivre là-bas. Raphaël. Salut, moi c'est Amir. Les enfants, vous pouvez faire de la luge là-bas. Et puis nous, on va venir parce qu'on va venir chercher de l'eau. Quand tu dis on va aller chercher de l'eau, c'est que t'as pas l'arrivée d'eau dans la maison, toi? Non. Ah non, ouais. S'il n'y a pas d'eau. Bah t'arrêtes pas de nous étonner, hein. Ouais. Incroyable! C'est le bout du monde! Un petit peu, ouais. Oh,
Allez, on est bien. De quoi c'est parti, ce... Amiens, non, j'ai pas, comment tu te retrouves ici? C'est sacrément courageux. Non, c'est une envie. C'est vraiment un souhait. C'est un souhait de venir là. Et de... Quand on nous a dit la route n'est pas déneigée, on a dit yes. Donc ça, c'est le jardin des enfants. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je leur apprenne de plus, moi, hein? Ah, c'est l'éclate, là. Ouais. J'ai envie de faire comme eux. Allez, on y va. Tous les jours, tous les deux jours, enfin, quand t'as besoin, tu vas à la source pour remplir tes petites bouteilles d'eau. Ouais, c'est ça. Pour boire et aussi pour se doucher, pour tout le reste? Non, pour se doucher, pour la maison. On a fait une réserve qui alimente la maison. Et voilà, c'est juste pour faire la cuisine et puis boire, ouais, pour la consommation. C'est un choix, hein, parce que tu me disais que l'eau de la réserve, t'aurais pu la filtrer. Je pourrais la filtrer, tu ouais. Tu préfères que la maison soit pas reliée à l'eau? C'est pas la même eau, en fait. Hein. Là, tu vas voir à la source, tu vas voir qu'elle est vivante, l'eau. Donc voilà, moi j'aime bien l'idée de me dire, je vais chercher mon eau, puis je la savoure, quoi. Pas dû mettre mes gants, moi. Ouais, c'est pas grave. On va mettre sur la luge. Alors, tu vois, là, l'eau, elle crache. Il y en a beaucoup. Et c'est pas du tout le cas toute l'année. Et tu vois, l'année dernière, en mars, il n'y avait plus rien. C'était tari complètement. Ça dépend de la nature, quoi, de... Bah, en fait, tu te rends compte à quel point l'eau... Putain, l'eau, c'est précieux, quoi. C'est vrai qu'on oublie... Nous, on ouvre un robinet. Mais c'est ça. Et on se pose plus la question de savoir d'où ça vient, ouais. Où ça va, si c'est rare ou pas. Si seulement les gens se réveillaient au moins pour l'eau, quoi. Au moins pour l'eau. Et autour de toi, les voisins, ils ont pas d'eau aussi? Non, ils ont des réserves. Mais ils ont pas d'eau potable, non. Enfin, quand je dis les voisins, je me rends pas compte, en fait. En fait, si, on est 6 maisons sur la piste de ski. On est 6 foyers. Bon, alors, j'aime autant te dire qu'on est hyper solidaires, du coup. Bim. C'est le séchoir, tu vois. Il y a même des petits gâteaux. Oui. Ça, c'est mon homme, je crois. Je vois qu'il nous a préparé ça. Est-ce qu'on va le voir, ton homme? Ça m'étonnerait que vous ayez la chance de le voir. Il est bien dans sa bulle, dans sa nature à lui. Ouais. Mélodie, c'est quand on regarde par ta fenêtre, là, la moitié, les trois quarts, c'est de la neige. Attends, ça a bien fondu, hein. À un moment, on ne voyait plus rien du tout. Ouais, j'ai envie que tu te vois, moi. Hyper bon. Kotisha, tu veux venir? Tu veux de la tisane? On a un gâteau au chocolat fait par une personne vraiment incroyable. Ah, voilà. Je peux pas m'empêcher. Il est mouvant. Moi, c'est ma quatrième part. Ah, mais vas-y. T'en veux? T'en as déjà mangé? Oui. Une des grosses motivations. De l'achat de cette maison, de l'organisation du travail. C'était vraiment que les enfants puissent être dans la nature et que nous, on puisse les voir grandir. Ça, c'est peut-être pour nous, mais les accompagner dans cette découverte-là, quoi. J'aime bien l'idée que les enfants, pour eux, c'est normal d'avoir le temps. Dans tout ce que tu dis, à chaque fois, il y a cette notion de temps long, oui. Dans un monde ultra pressé, où tout va très, très vite. Et d'un coup, toi, tu dis, dans ce que je ressens, c'est... On prend le temps. Et ça paraît évident, et pourtant, ça reste exceptionnel. Tu vois, moi ici, j'ai pas de réseau, donc des fois, je mets 4 jours à répondre, une semaine, voilà. J'ai pas le réseau. Parce que finalement, quand t'as un rendez-vous au boulot avec un patron, tu vas pas répondre forcément aux autres. Quand t'es en rendez-vous au médecin, tu vas pas répondre aux autres. Par contre, quand t'es avec tes enfants, enfin moi, avant, je faisais ça, hein, je répondais, ou quand j'étais avec des amis, le téléphone est là. C'est insupportable, quoi. Moi, je supporte plus ça.
Donc en fait, je priorise et du coup, ça me permet d'avoir des vrais moments et un vrai temps, ça c'est sûr. Ouais. Je reste maître, moi, de mon temps, quoi. Voilà. C'est tout. Faut choisir. Contrairement à toi, je ne parviens pas, moi, à décrocher, à me focaliser sur un instant et à ne pas faire à côté. J'arrive à ressentir en ce que tu dégages quelque chose, non seulement que je n'ai pas, mais que même mon entourage n'a plus aujourd'hui. Cette sérénité. Je suis dans une illusion. Une illusion de bonheur, de petite satisfaction immédiate et courte. Une notification, un rendez-vous, un truc résolu, un repas commandé. Tout va très vite. Et aujourd'hui, t'oublies le plaisir que tu t'es fait hier. M'en détacher radicalement comme toi, c'est aussi un truc que je suis sûr de ne pas pouvoir faire. Mais la grande question, c'est comment appliquer dans ma vie de citadin des petits repères purs, simples, humains, réels. Et c'est vrai que l'élément fondamental de tout ça, c'est de savoir qu'il y a, c'est le temps. Savoir qu'il y a du temps pour chaque chose. Ne pas culpabiliser vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres quand on n'a pas réagi tout de suite, quand on a... En fait, être plutôt fier de ce qu'on est parvenu à ne pas faire. Tu vois? Comment on fait pour la salle? Là-bas. Ouais, c'est ça. Bonjour. Ça fait plaisir. Ça va? T'as bien dormi? Top. J'étais dans un duvet grand froid. Franchement, cette semaine, tu vois, on se balade tout, mais il y a quand même l'expérience du froid dans la durée. On a toujours froid. Ouais, toujours ouais. Froid. On a toujours froid, c'est sûr. Comment rester chaud quand on est dans un environnement tout le temps froid? Le premier truc, c'est d'être en mouvement tout le temps, quoi. C'est pas s'immobiliser, quoi. Mais on va être en retard, nous. On va être en retard, Amir. Je suis en plein dans mon yaourt. Hein. Parce que déjà, je te l'annonce, hein, je t'ai préparé un petit truc. Alors, t'es un homme de défi. Oui. T'aimes bien les défis. Oui. Les vrais défis. Je pense. Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Dis-moi, t'annonces des bonnes nouvelles, parfois. Mais c'est des bonnes nouvelles. Ah ouais, c'est attends. Bien. Profitez du beau, là. Ouais. Okay. Profitez, ouais. Ça fait du bien de voir du ciel bleu, hein. Ouais. C'est assez dépaysant comme paysage. Moi, j'ai l'impression d'être au Canada. Ouais, c'est le côté lac avec les sapins. Là, on est quand même presque on est à la moitié de notre voyage. Déjà? Bah, ouais, ça passe vite, hein? Ouais. Mais là, t'as choisi un bon spot. Hein. Ouais, mais... Je trouvais ce paysage... Bonjour, messieurs. Oh. Bonjour. C'est pas quoi, souvent que j'ai des spectateurs. Oh my gosh. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon
possible. C'est pas possible. Parce que je vois la suite des événements. Tu vois quoi, toi? Je vois quoi? Tu m'as dit qu'il y a un défi tout à l'heure. Oh, mon Dieu. Arrête, mais j'ai froid pour lui, là. L'angoisse. Mais après... Vous avez quel âge sans indiscrétion? Non, parce que le corps est très jeune, ça se voit. Ah oui, c'est ça. Mais je suis pas si jeune que ça, quoi. Vous avez quel âge? Ben, je vais avoir 60. Comme Pitou. Et ça, c'est un rituel? Tous les matins. Parce que maintenant, c'est reconnu que c'est bon à la santé. Vous vous appelez? Je m'appelle Denis Godet. Denis, enchanté, Amir, Raphaël. C'était une introduction, Amir. Parce que tu vois, je te disais, un défi, pour moi, c'est important, tu sais, quand on vit des voyages, ouais. D'être confronté à quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Et de se dire, on fait des choses qu'on ne ferait jamais dans la vraie vie. Comme te jeter dans l'eau, par exemple. Comme aller se baigner tous les deux. Tous les deux? Bah, bien sûr. Ah, mais je croyais que t'allais me dire, vas-y, enlève tous les deux le soleil, je veux voir ton regard. Ouais. Avec Denis qui nous a introduit, ça veut dire que c'est possible. Ouais. Voilà. Après, il faut se dire dans sa tête, je suis fou. Et après, vous êtes surpris du bien-être et de ce que vous êtes capable de faire, en fait, de ce que le corps humain est capable de réaliser. On a réalisé la température de l'eau? Elle est à 5 degrés, là. Et j'ai une question, il y a quand même besoin de pratiquer couramment pour... Dès la première fois, j'en sais pas, parce que je suis pas entraîné, que je peux mourir. Ce que je vous dis, il y a des personnes qui avaient jamais fait ça, qui se sont jetées à l'eau comme ça, mais c'est magique, quoi. Et est-ce que maintenant, c'est plus facile, avec l'expérience, quand même, pour vous? Oh, ouais, bah, c'est une pratique courante, quoi. Mais il y a toujours l'appréhension au moment où je plonge la tête sous l'eau. Je me dis, c'est quand même quelque chose, quoi. Moi, je l'ai fait, ça, déjà, en Russie. À Saint-Pétersbourg, l'eau était à 1 degré. Il faisait moins 15 dehors, et j'ai beaucoup hésité. Et il y a une chose qui m'a fait passer de l'autre côté en disant « je peux le faire », c'est qu'il y avait une femme de 90 ans qui tous les matins faisait ça, alors elle en paraissait 70. Et c'est bon pour l'immunité, on est plus malade, on est beaucoup moins malade, c'est très très bon et pour la santé. Ça dégage beaucoup de choses du corps que vous emmagasinez, mais sans le savoir, les soucis et tout ça. Ça vous fait comme une révélation. Ça vous fait du bien de démarrer la journée comme bien ça. Bien sûr. Et là, vous n'avez pas encore froid? Bah, il faut que je m'en aille parce que ça va commencer. Ouais. Ouais. Faut ouais. Pas attraper froid. Eh bien, bon courage. Merci, Denis. Voilà. Merci, Denis. Là, comme ça, on se déshabille. Ouais. Allez. Raphaël, t'es un ouf. Je te suis. On y retourne. Demain. Viens. Oh mon Dieu. L'avantage, c'est que
comme c'est très froid, même s'il fait 5 degrés, 3 degrés ouais, là... Ouais, tu sors, t'es un peu chaud. Ouais. Ah, bien joué. Je te remercie. Ça, on s'en rappellera. En fait, je me sens revivre. Je dois l'admettre. Tu sens comment là, je me sens, je me sens bien réveillé. C'est ouais. Sûr que si t'as d'autres surprises aujourd'hui, je les affronterai. Ouais. Merci. Allez, on y va. Comme a dit Pitou, tant qu'on est en mouvement... C'est bon, on n'a pas froid. Cet après-midi. Bah, tu sais quoi, je suis aujourd'hui. Étonnamment, je suis ouvert à tout. Oh. Bonjour. Bonjour. Ah. Vous cherchez quelque chose? Ah bah on t'attend. Ah. Tu t'appelles? Rémi. Rémi, enchanté. Oui. Raphaël, lui et moi, Amir. Ça fait un moment que vous étiez là. Ah, on perd la notion du temps depuis qu'on ouais. Est arrivé. On y va. Rémi, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Multitâche. Non, je suis accompagnateur en montagne. Ouais. Donc, pas mal sur le Jura, mais aussi un petit peu à l'étranger. Et puis autrement, là, sur le secteur, je suis responsable de la station de ski. Donc, je suis pisteur secouriste. Putain, mais sans toi, on serait largué total. Heureusement que t'es venu, hein. Ouais, t'es pas perdu, là. On va quand même rentrer dans le vif du sujet, la forêt. Là, on a deux grandes essences d'arbres. On a dû être... Et puis l'autre grand arbre qu'on a, là, c'est l'épicéa. C'est un petit peu le roi des forêts, ici. Une chose qui est très importante dans notre métier, c'est ses sensations pour pouvoir être vraiment en contact avec la nature. Et là, on la comprend, on la voit changer. C'est un chemin que j'emprunte quasiment tous les jours. Et en fait, tous les jours, je vois des choses différentes. Et on s'en imprègne vraiment. Je te propose juste, je vais te cacher les yeux. OK. Alors, attends. Voilà, c'est bon. C'est vraiment comme ça qu'on peut rentrer en communion avec l'esprit de la forêt. C'est pas juste que Raphaël, il fait pas sa communion, lui. Hein. Moi, je suis là pour te protéger. Je sais jamais ce qui peut se passer. Moi, j'ai juste pas envie de découvrir un ours quand tu m'enlèves le truc des yeux, genre. Tu peux retirer gentiment les bandeaux et les bonnets que tu as autour. Salut. Salut à toi. Je te présente Teddy. Voilà. Teddy, enchanté, mon gars. Tout va bien? Salut à toi. Là, je suis content. C'est rassuré. Vous connaissez depuis longtemps, ce duo-là? Ça... Ah ouais, ça fait, bien 32 ans pour moi. Ah, vous êtes copains. Non, vous êtes frères. Ouais, on est frangins, c'est voilà. Ça, on est et comment ça s'appelle, ce qu'on est sur le point de vivre? Alors, c'est un voyage arboricole. Et ça va être une grimpe dans les arbres, dans un épicéa. Épicéa commun, donc c'est un petit peu l'arbre emblématique du Haut-Jura. Hein. Il sert pour beaucoup de monde, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les humains. Alors, on a un arbre qui a entre 100 et 150 ans, là, hein, qui a poussé relativement doucement. Il a pris le temps. Voilà, c'est ça. Peut-être que l'inspiration qu'on a vis-à-vis des arbres, c'est de prendre le temps. On a un arbre qui fait 30 mètres de haut. Ok. Voilà. Vous avez déjà fait un petit peu d'escalade, genre de choses ou... Très peu. Moi, oui. D'accord. Je vais pouvoir commencer à me mettre en arbosanteur. Voilà. En quoi? En arbosanteur. C'est beau, ça, comme... C'est comme la pesanteur, mais c'est en relation avec les arbres. Partons. Ok. Vous allez vous envoler comme les ticots. Celle-ci. Celle-là. Ouais. Vas-y. Je suis à la recherche de l'arbosanteur. Ah, il a l'air d'être bien parti en arbosanteur. Attends, je me prends. Moi aussi, je vais faire ça. Allez. Fais du... Oh, il y a Amir, il est pressé, il tire tout.
la force des bras, quoi. Nous, en fait, notre philosophie, c'est qu'on va essayer de limiter au maximum notre impact sur l'arbre. S'il y a une branche vivante qui nous gêne, on ne va pas la couper pour autant. On va essayer de trouver un autre arbre, soit on va essayer de dévier cette branche. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu as envie de transmettre quand tu as quelqu'un qui vient avec toi pour monter dans les arbres et prendre de la hauteur? C'est déjà transmettre une passion, une envie de découverte de ces arbres. Et après, c'est de transmettre une forme de respect et d'humilité envers des êtres vivants qu'on a tendance à oublier. Oublier parce qu'ils sont immobiles. Et quelle place on laisse à cet être vivant dans notre quotidien, voilà. Ouais. Allez. Alors, il faut vraiment naviguer dans, okay, dans les branches. Ok, je vois ce que tu veux dire. Voilà, surtout ne pas hésiter. Voilà, toujours s'assurer. Putain. Ok. Voilà, super. Oh là là. Alors vous avez senti, on a quelques petites vibrations aussi. Hein. Lui, il se met à bouger. L'arbre? Vous avez pas senti? Si, si. C'est pas un gage de fragilité, hein. C'est juste qu'il a sa souplesse. Même s'il semble si costaud. Voilà. Waouh! Trop beau! Comment tu te sens, Amir? Je sais pas si c'est la peur, mais c'est. Il y a un vrai. On est en suspense, quoi. Tu vois, tu. On est où, là? T'es pas totalement tranquille, t'es pas ancré. T'es tout sauf ancré. Et je pense que ça exacerbe un peu les émotions, pour tout te dire. On essaye de toucher la cime, les gars. Allez, Amir. Et donc toi, Amir, t'es chanteur, alors? Ouais. T'as déjà dormi dans une yourte? Jamais. C'est une yourte que j'ai installée il y a 4 ans. Eh ben allez, attention la tête. Beaucoup d'humilité pour rentrer dans une yourte. On y arrive. Waouh! Génial! Le style! Ah, mais elle est sublime, cette yourte. J'adore. Toc, toc. Ah, ouais. Te voilà. Il y a un copain là qui va passer pour apporter le fromage, ouais, pour la fondue. On va faire une petite fondue? Alors, on va faire une petite fondue. Ah, mais la yourte, elle est à vous deux ou qu'à toi, à la base? À moi. C'est à Rémi, ouais. Je profite du lieu. Voilà. Vous venez d'où, à l'origine? De Seine-et-Marne. De Seine-et-Marne, mais vos parents? Notre mère, elle est de la région parisienne. Et puis notre père, il est né au Liban, et puis il a vécu en Syrie jusqu'à l'âge de 25 ans. Ouais. D'accord. Puis il est venu en France pour les études, puis il est resté en France. Okay. Moi, je trouve ça quand même assez marrant, pas improbable. Mais marrant que deux frères, région parisienne, vivent tous les deux, changent de coin et vivent tous les deux exactement dans le même coin. Nous, on a quitté la région parisienne qui était une zone de ville dortoir. Et puis, en fait, t'arrives dans un micro-village où tout le monde se connaît, des jurassiens assez accueillants, enfin, ça reste une terre d'accueil. Tu construis vite des réseaux, en fait, des réseaux sociaux, des réseaux de travail, des réseaux de fêtes. Et finalement, on n'est pas si nombreux que ça là, sur le Haut-Jura, et on se connaît tous, et ça fait comme une petite ville, comme un petit village. Et c'est ça qui est chouette, et finalement, ça t'amène à t'imprégner du lieu plus facilement, puisque t'as un échange qui est vraiment fort. Vous partagez bien l'amour que vous avez de ce territoire, de ce lieu. Mm-hmm.
voilà, dans lequel vous êtes enraciné. Ouais. Ouais, on pourrait dire qu'on est enraciné aujourd'hui ici. Ouais. C'est un bon terme. Ouais, parce que les arbres, ça me parle. Ah, Loïc. Loïc. Casse la baraque, Loïc. Bonsoir, Loïc. Ah, avec... Ça va ? Enchanté. Enchanté, Raphaël. Loïc. Ravi. Enchanté. Ça va ? Ouais. Ouais. C'est le trésor, ça. C'est quoi ? C'est le trésor. Ouais. Le fromage. Ah. Oh là là, mais c'est magnifique. Tiens, Naples. Ouais, merci. Et il est venu avec sa massue. Bon. Demande, on parie sur quoi alors? Non, mais ils... Demande à Amir. Demande à Amir. Est-ce qu'on vous a plongé dans le lac à coup de massue? On a encore un peu de temps. On s'est levé ce matin, je ne m'attendais à rien. Tu m'as dit, t'en fais pas, ouais. Toi qui aimes les défis, j'étais prêt à être servi. Je t'ai préparé un bain, oh, mais pas n'importe lequel, tu sais. Chez moi, on fait toujours les choses en grand. Le moment où j'ai compris, c'est quand j'ai vu Denis avec sa massue. Le Jura. Ah ouais, ah. Le Jura. Le Jura. Le Jura. Le Jura. Et nous avions toujours de la pluie. De la pluie, trois jours de pluie. Oh, c'est pas vrai. Puis on s'est allongé sur la neige peinard, attendant les renards. Ils ne sont pas arrivés. Rémi les a remplacés, nous disant qu'on est bêtes parce qu'on n'a pas compris que le rendez-vous était prévu ailleurs. Ouais. On avait besoin de faire pour nos âmes, pour nos têtes, un peu de... D'arbo-zanteur. Ouais. Dans le Jura. Ouais, dans le Jura, on n'a pas froid, non. Le Jura, ouais, ça voulait dire que ça pouvait pas se faire sans toi. Ça va et toi? Ouais, très bien. Tu fais un petit temps calme? Ouais. Tu bouquines? Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Ben moi, je vais faire un tour de ski. Je venais voir si tu voulais pas venir un petit coup avec moi. Ah, c'est vrai? Ouais. Avec grand plaisir. T'as déjà fait du ski, toi? Jamais. Jamais? Jamais. Ok. Bon, allez, go. Ah, trop bien, Annie, merci. De rien. Hey! Tu vois ça, Annie? Oh, pas mal! C'est bien, hein? Et on va faire du demi-pas de patineur. Hop là! Ouais, il glisse bien les skis et tout, hein? Ouais. Et tu me pousses. Essaye de glisser et pousser. Ne tombe pas dessus. Et maintenant, tu vas me tirer. On va faire du canard glissé. Ouais, bah tu vas vite. Tu vas me rattraper. Attends. Ah, mais... Il me rattrape. Petite descente. Canard glissé. Ouais. Voilà. Fou. C'est bon? J'ai l'impression de repartir à zéro en ski, en fait, avec ouais, tout ouais. Ma chose. Pourquoi donc, vous aimez tellement le ski de fond dans le Jura? C'était un mode de déplacement. Les gamins, pour aller à l'école, ils utilisaient le ski de fond plutôt. Ouais. Et puis c'est... Ils arrivaient essoufflés, hein. Ouais, c'est le temple du ski de fond, le Jura. D'accord. Regarde, il y a des chiens de traîneau qui passent. Salut. À Paris, on voit traverser des bus et des... Ouais. Et des camions de poubelles, et toi, t'as des chiens de traîneau. Après, on se demande pourquoi les gens sont heureux ici. Eh ben voilà, on a fait la boucle en entier. Super, Amir. C'était super sympa. Hey, c'est les derniers jours, là.
Tu m'emmènes aujourd'hui. Avant de quitter notre paradis blanc, une dernière surprise attend Amir. Il ne sait pas encore qu'il va réaliser un rêve d'enfant. Je crois que je vois ce que c'est. Et ça me plaît. Génial. T'as déjà expérimenté? Jamais. Un rêve de gosse, parce que t'en as vu dans tous les livres, dans tous les films, dans tous les dessins animés. Jamais. C'est stylé. Merci, mon Raph. Regarde-moi ça. Comme il est beau. On est arrivé. On se déraquette. On se déraquette. Allez, c'est parti. On a l'habitude. Ouais, maintenant, c'est... Moi, à Paris, je vais pas pouvoir arrêter. Hein. Bonjour. 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 Salut. Raphaël. Amir, enchanté, ça va? Et où? Ça va et toi? Bonjour. Je sais jamais comment il faut faire, allez. Vous êtes des randonneurs avec des sacs à dos. On sait jamais où on va dormir. D'accord. Donc on a toujours notre sac à dos. C'est cool, mais des vrais, comme on en rencontre presque plus. Nous, on est des bricoleurs. Ouais, je vois ça. Vous bricolez quoi, là? Moi, je suis en train de poncer un patin de traîneau. Ça fait 40 ans que je fabrique des traîneaux. Et j'ai envie de faire des patins de qualité. Et du coup, on fait des trucs comme en course. Nous, on touche un peu de tout en fabriquant des traîneaux. On fait de tout. Hier, j'étais sur une machine à coudre, à faire des protos de sacs pour le traîneau qui est là. On fait un coup les composites, on fait un coup l'aluminium. Des coups, c'est le boulot de tourneur-fraiseur, tu vois, pour fabriquer des pièces. C'est ton fils? Vous êtes... Non, c'est mon père. Ah, d'accord. Non, mais peut-être que ça pouvait être quelqu'un qui t'aidait à travailler. Non, moi, je sais pas. Non, si... c'est Léo. Alors, il est pas souvent là, il bouge tout le temps. Et quand il est là, on est content de faire ensemble parce qu'on a une bonne complicité. Et toi, t'es plutôt dans un atelier skate, c'est quoi? Longboard. Bah, longboard. En fait, avec ma copine, elle faisait du longboard. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette un peu. Et bah, j'avais pas forcément les moyens de m'en acheter. Du coup, je m'en suis fabriqué une. Donc la première que j'ai faite, je l'ai faite en alu. Bon, c'est une enclume, hein, c'est une barre à mine. J'ai juste fait une incrustation bois pour que ce soit joli. Puis dessous, j'ai fait des renforts. Mais en fait, ici, c'est un atelier de créatifs un peu géotrouve-tout, un peu fou. C'est excitant de trouver. Moi, je trouve que dans ma vie, j'ai vécu plein d'aventures, surtout avec les chiens. Mais on a tout fait avec les chiens, Léo. Et grimper sur le podium des championnats du monde. Il a été au moins 8 fois champion de France, je ne sais plus combien, moi un peu moins. Et puis on a fait des expéditions de 2 mois. L'aventure, on en a vécu bien, puis c'est une adrénaline l'aventure. Amir me disait qu'il n'avait jamais fait de chien de traîneau de sa vie. C'est pas une honte. Non, bah non, il ne pourra jamais faire du chien de traîneau de sa vie, je m'excuse. Il pourra faire du traîneau à chien. Jouons sur les mots. Mais oui. Par contre, si t'en as jamais fait, on peut t'inviter à aller faire du traîneau. Mais je serais ravi. J'ai super envie de voir ce que ça fait de rider avec un champion de France. Avec plaisir. C'est la cabane, la première cabane où on a dormi le premier jour. Mmh. C'est à toi. C'est Daniel qui l'a construite. On l'a fait, ouais, avec des copains. Ah, c'est ce que je me demandais, hein. Bien sûr. Elle est magnifique, cette cabane. On a passé notre première nuit, c'était magique. Après, je comprends pourquoi la branche était basse. Hein. Allez, chien. Allez. C'est des Alaskan Husky. C'est les chiens qu'il y a eu en Alaska qui ont été importés quand il y a eu les grosses ruées vers l'or en 1860. Hey. 15, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, il y en a assez. T'as pas peur des chiens, Amir? Comment? T'as pas peur des chiens? Tu sais qu'à la base, si. Là, ouais. Je me suis fait mordre quand j'étais gamin. Moi aussi. Je suis pas très à l'aise avec les chiens, mais tu me mets à l'aise. Non, là. Mais même les gens qui connaissent pas les chiens, les gestuels, je sais que souvent ils me disent j'ai pas peur ici. C'est une thérapie, ça. Je pense que tout est question de contexte. Hey, Amir.
aller avec Léo. Ouais. Moi, je vais prendre le vieux. Ça fait plaisir. On fait la course des vieux contre les jeunes. C'est ça. Ça marche. Ça va. C'est hyper impressionnant. Ouais, c'est bien les petits chiens. Ok, ok. C'est un des meilleurs spots ici pour faire du traîneau. Parce que bah, c'est relativement plat. Et là, pour eux, c'est quoi? C'est un jeu, c'est un défoulement. Parce qu'on a l'impression qu'ils veulent le faire, tu vois, ils sont pas forcés. Ils veulent le faire. Beaucoup de chiens qu'on a maintenant, c'est des chiens issus de la compétition. Plus ils vont courir vite, plus ils vont être heureux. Et on a certains chiens, quand ça va pas assez vite pour eux, ils travaillent, mais moyen, mollement, quoi. Parce qu'en fait, je cultive le will to go en anglais, c'est l'envie d'y aller. Ouais. Ça, tu le cultives. Si jamais tu fais trop bosser tes chiens, tu vas les dégoûter ou tu vois, si tu les tapes, ça va pas forcément leur plaire, ouais. Pas mal, bon virage, Daniel. Ouais, mais il y a un poids de vente si tu veux. Si t'as pas de balade organisée, tu vas quand même les sortir avec un traîneau? Ouais. Ouais, déjà parce que une passion, ça s'entretient. Du moment que tu sors tes chiens que quand il faut aller bosser, c'est que la passion, elle est morte. Ouais. Là, tu parles de toi, mais par rapport aux chiens, ils en ont besoin tous les jours? Ouais, c'est des sportifs de haut niveau parce qu'ils vont courir tous les jours entre 10 km les petites journées et les journées où ça va bien, ils vont faire 40, 50, 60 km des fois dans la journée. Un sportif de haut niveau, il a besoin de repos, mais il a besoin de régularité dans son travail aussi. Moi, je suis toujours scié de l'énergie de ces chiens, quoi. Je te dis, une fois, j'ai voulu trouver leurs limites. J'ai mis plein de nourriture dans le traîneau. Et je suis parti, et au bout de 28 heures, c'est moi qui ai craqué, parce que j'en avais marre. À droite? Oui, oui, Canam. Eh, hey. Hey, merci de pas être gros, parce que sinon, ce serait dur pour moi. Doucement, les chiens, doucement. Ça va? Putain, on a du bol, hein, Raphaël, de vivre ça, quand même. Ah, c'est génial. L'interaction entre l'humain et l'animal, elle est tellement précise. C'est étonnant, hein, à voir. Ah, mais tu parles bien pour un jeune, en plus. Dis, t'étais leader mondial de la fabrication de traîneaux, à un moment. Ouais, mais attends... Bah, moi, j'écoute ton fils et je rapporte. Si, mais tu sais, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de traîneau qui se vendait. Chacun se faisait son traîneau. Et puis, ben, par hasard, j'ai dû faire un traîneau pour un copain, qu'il voulait le même, puis après, c'est le copain d'un copain, puis le copain d'un copain. Et puis, donc, voilà, on a fait une société, et maintenant, presque plus personne se fait des traîneaux parce qu'on les achète. Ouais. On va y aller. On y va. T'es prêt ou pas? Moi, je suis prêt, ouais. Les chiens, vous êtes... Allez, ok! Allez! Quel bonheur. Puis ça, c'est un truc qui est trop bien avec le traîneau aussi. Quand tu vois le sourire jusqu'aux oreilles des gens, allez, le nombre de fois que quand tu prends des gens en traîneau, ils te disent « Vous avez réalisé mon rêve ». Ah, oh, c'est cool de réaliser le rêve des gens. Mais ouais. Ah, oh, c'est vraiment trop bien. Attends. Mets-toi là-bas! Yes! Ouf, c'est juste passé. Ok, chien, doucement. T'as commencé quand, toi, la glisse? Bah, la glisse, je l'ai commencé, pour être franc, en 2 jours. Alors, on va bien se pencher sur la droite. Parce que chez moi, l'hiver, donc voilà, c'est bon, là, après, c'est bon.
c'est pas accessible en voiture jusqu'à chez moi. Et quand ma mère est rentrée de la maternité, on n'avait pas de motoneige. Donc mon père est venu chercher ma mère en traîneau. Ah ouais. À deux jours. Ah ouais. C'est fascinant et je me souhaite, quand je vous vois tous les deux, d'avoir une aussi belle relation avec mon fils. Vous êtes... on a l'impression qu'il y a une admiration commune. Et ça, tu sais quoi? Voir un père qui est admiratif de son fils, ça fout les frissons, je trouve. Bah moi, je suis admiratif de mon père aussi. Mais je sais, mais ça, c'est un peu plus commun, tu vois. Mmh. Parce que les papas, c'est des modèles, souvent. Ouais, ouais. Et je vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait, parce qu'on est une équipe. Ça va? Ah, mon Léo. Ah, t'as l'air heureux, là. Quelle belle expérience. Bah, depuis ce matin, moi, je suis très heureux. Et quand ce sera fini tout ça, je viendrai te voir en concert. Ah ouais, plaisir. Ah mais obligé. Mais, ouais. Mais tu prendras le micro, tu sais, parce que puisque t'es partageur, il faut que je le sois aussi. Le seul truc que je savais sur toi avant que t'arrives, c'est qu'on m'a dit, c'est un chanteur, un jeune. Si tu regardes la télé, tu sauras qui c'est. Ouais, j'ai pas la télé, merci, t'es gentil. Et comme tout le monde ici, j'ai l'impression. Ouais. Alors, moi, je passe devant. Vas-y. Tac. Maintenant, c'est toi qui conduis. C'est que t'es beau là avec le soleil juste là, là derrière toi là, regarde. Je sais pas qui brille le plus. Ah ah. On hésitait avec maman tout à l'heure. Soit on faisait cuire les pommes avant, un peu à la poêle, soit on les faisait cuire directement dans le crumble. Qu'est-ce qui fait qu'on est autant attaché à cette montagne? Elle est belle. Bah, je trouve ça doux le Jura. Doux, j'aime bien ce mot. Ouais. Oui, moi je trouve qu'il va très bien au Jura. C'est beau, c'est doux, c'est vrai. C'est voluptueux. C'est quoi la prochaine étape, papa? Attends, tu peux y tenir, je vais pousser un peu la braise. Attaque, on va se boire un verre, déjà, ça va les faire venir. Hop, hop, hop. Hello. Oh, bonsoir, Julien. Salut, jeune homme. Ça va, cher ami? Ah, bah, allez, Hermine. Salut, Fabienne. On se posait la question. Toute la semaine, on s'est dit, est-ce qu'on va avoir le coup de fin du tunnel? Mais on était sûr que t'allais accoucher. Salut, ça va et toi? Dad, t'as apporté un bouquin. C'est gentil. Je te mettrai un mot dedans quand... prendra 2 minutes. Avec grand plaisir, je te remercie, Julien. Un petit dessin. Allez, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Hello. Salut. Ça va? Ça va? Comment vas-tu? Ça va? Top. Ça va, Daniel? Bah ouais, et toi? Super. Est-ce que tu aimes où tu es, dans le Jura et par ici? Ah mais de ouf. Mais je pense revenir en été quand même, pour moins de raquettes et plus de paysages. Hein. Ouais. Ah, c'est cool. Ça joue? Ouais. Ça va, sans plomb. À boire? Ça va, oui, à boire. Ça tu va, veux servir, bien. Raphaël? Allez, vas-y. Ça va nous aider dans l'igloo, ça réchauffe, ouais. Merci beaucoup. Non, mais je... Ah ouais, c'est fort. Santé, santé. Santé. Attends, je le donne à Daniel. Daniel, merci. Allez, santé. D'accord. C'est génial de vous avoir. Déjà là, je voulais juste... Ah, Philippe, attendez. J'ai l'impression de président de la République du Jura, c'est Pitou. Non, pas tout à fait, quand même. Il y a 2-3 variantes. Ça fait longtemps qu'on aurait fait la révolution. C'est une icône, Pitou. Pour moi, c'est une figure marquante. Et d'ailleurs, qui te connaît pas? C'est étonnant. Je vois en fait que tu vis ta vie, t'es heureux, t'es un mec qui dégage une très très bonne énergie, mais tu connais les priorités.
et tu te soucies de ceux qui ont besoin. C'est, ça se voit que c'est pour toi fondamental, tu vois, de te donner aux autres et de façon hyper sincère, t'as zéro masque. Moi, c'est ce que je ressens depuis que je t'ai rencontré, que j'ai eu la chance de te rencontrer. Ouais. Et ça m'a rappelé Coluche, bon, les bretelles ont peut-être joué un rôle, mais il y a vraiment un truc dans ton esprit qui me rend nostalgique des valeurs que Coluche défendait. J'affiche carrément des formes de lutte, tu vois, de moi à mon niveau, à ma petite échelle et compagnie, tranquillement, tu vois, mais je lâche pas le morceau. Tu me l'as fait remarquer, et puis moi, j'ai ressenti une belle personnalité, un truc très, très fort. Je veux dire, là, on arrive là, c'est la fin, on devrait être content que ça se termine, et compagnie, tu vois. Et on est, là, c'est l'inverse, on est triste que ça se termine. Moi, pour moi, je suis triste que ça se termine parce que je trouve qu'on a vécu des bons moments en se disant des choses fortes. Merci, Pitou. T'es trop assez curieux. C'est vrai que tu disais, mais on n'a pas eu le temps trop d'échanger là-dessus, qu'on était deux mondes complètement différents. Tu sais. Et j'aurais bien voulu creuser un peu plus, mais on aura l'occasion. Mais bien sûr, oui. T'aimerais bien qu'on retienne quoi de notre rencontre? Alors moi, c'est facile à dire parce que j'habite sur les Hautes-Combes et puis c'est rural et c'est assez d'apparence, en tout cas sauvage. Après, quand on habite dans une grande ville ou qu'on est voilà, dans une métropole, c'est pas la même. Mais même si on est dans une ville, avoir conscience que la nature, elle est partout, que, voilà, qu'elle va lever le bitume, qu'elle va pousser sur les barrières, qu'elle va juste le fait de s'arrêter, de considérer ça, de voir toute cette nature qui est autour de nous, je pense que ça fait du bien, quoi. Non, tu vois. Moi, j'étais déçu que tu rencontres le Jura en 6 heures de pluie en raquette. C'est une punition. Mais attends, je savais que vous alliez rencontrer des gens. En fait, le Jura, c'est... En tout cas, le secteur ici, c'est la montagne. Mais c'est pas que la montagne. Ça veut dire qu'on a une montagne, qu'on a des êtres humains qui sont ici, qui vivent. Et ces êtres humains, ils font la montagne. La montagne fait des êtres humains aussi. Et on a vraiment cet ensemble-là. C'est un écosystème en soi. C'est vraiment la montagne à échelle humaine. Et c'est ça qui est beau aussi, ici. Moi, j'ai choisi, je suis pas d'ici. J'ai choisi de vivre ici à cause de la solidarité que j'ai sentie là. Et j'aimerais bien que tu partes avec ce souvenir-là de... Même s'il y a des gens qu'on n'aime pas, ils ont besoin d'aide, et tant qu'on peut les aider, des fois, juste un sourire, ça fait plaisir. En effet, j'ai compris que ça se passait chez vous et que c'était un des traits particuliers de votre coin. Moi, ça m'a plu de te rencontrer. Ouais, moi aussi. C'est sincère. Merci beaucoup. Moi, j'ai réalisé quelque chose de simple. C'est que, d'un point de vue humain, il y a une multitude de gens qui se voient peut-être pas tous les jours et qui s'appellent peut-être pas tous les jours non plus, mais qui sont là l'un pour l'autre à tout moment où c'est nécessaire. Et moi, c'est ce que je connais de la famille. La famille, c'est ça. Et vous êtes une famille ici dans le Jura. Moi déjà, je voulais vous remercier d'avoir accepté de nous recevoir, chacun, chez vous, pour nous faire partager un bout de votre territoire, votre pays. Vous l'avez fait avec beaucoup de générosité. Beaucoup de sourires, beaucoup de joie. Moi, ce qui me marque ici, c'est évidemment le rapport à la nature qui est essentiel. Ce besoin, cette nécessité d'être à l'écoute de cette nature, de la comprendre, de vivre avec. Cette nature, elle, tu le dis bien, c'est une douceur qui vous correspond. Il y a une douceur dans nos échanges depuis le début qui fait du bien. Et je trouve qu'il y a un rapport au temps différent. C'est vrai qu'en ville, on peut s'étourdir très rapidement de plein de choses qui arrivent. Et puis là, on se rend compte que, en fait, au bout de 2 heures, on va s'étourdir quand on voit le battement d'ailes d'un oiseau. On va s'étourdir de petits détails, des choses très précieuses qu'on ne voit pas forcément. Et d'un coup, parce qu'on est avec vous, on l'observe différemment. Et quand Pitou dit on n'a pas envie de se quitter, évidemment, on a envie de prolonger ce temps long. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de s'étourdir de nouveau avec des choses de pacotille, on va dire. On a envie de retourner à quelque chose de plus enraciné. Ces valeurs-là que vous m'avez transmises cette semaine, c'est de bien pouvoir échanger avec quelqu'un sans distraction. Aller écouter ce qu'il a au fond de lui, ce qu'il défend, ce qu'il anime. J'ai pris une claque, nécessaire, certainement. Et j'ai hâte de vivre la suite de ma vie en sachant que je suis passé par cette étape qui a été enrichissante et peut-être déterminante pour la suite. J'ai pas l'intention de vivre sans téléphone comme toi, Julien, mais au moins trouver un équilibre dans lequel je me rapproche de ce bien-être que tu dégages, en fait, parce que tu sais que t'es un homme libre. Le bonheur n'est pas dans le Minitel. Hein.
Dans le Minitel. C'est vrai, sinon c'est encore avec les supergères. Mais on va se revoir. J'espère bien. Blasting in my mind.